Donc salut, bonjour à tous les gilets jaunes de France et de Navarre. Donc vous voulez bloquer la France, vous voulez faire chier le gouvernement, seulement vous vous y prenez mal parce que vous bloquez des ronds-points et les ronds-points ça bloque pas l'économie. Macron il s'en fout, il s'en bat les couilles totales de ce que vous faites. Il n'attend qu'une chose, c'est que vous soyez fatigué et que vous abandonniez. Voilà. D'ailleurs c'est ce que vous allez faire parce qu'au bout d'un certain temps vous allez abandonner tellement vous serez crevé. Alors vous voulez que Macron vous écoute? Moi je vais vous donner la solution. C'est pas compliqué. Plutôt que vous disperser par 10, 15, 20, 40 autour des ronds-points, un petit peu de partout, et que ça sert à rien, et que les flics ils mangent le casse-croûte avec vous, tellement que ça sert à rien, ils s'en battent les couilles, ils mangent même avec vous les condés. Alors voilà, il y a un truc à faire, c'est pas compliqué. Vous vous donnez tous rendez-vous sur les ports à Marseille, sur les ports du Havre, sur les ports de Brest. Et là, vous bloquez l'import-export mondial. Vous bloquez l'import-export sur le Maghreb, sur la Chine, sur les USA. Vous bloquez toutes les marchandises en provenance et en partance direction l'Allemagne, l'Italie, l'Espagne. Vous bloquez l'Europe entière. Dans une semaine, Macron, il vient vous lécher les couilles. Voilà. Alors arrêtez un petit peu de bloquer les ronds-points, parce que ça sert strictement à rien. Moi, je suis solidaire avec vous. Je suis allé bloquer un rond-point comme ça fait bon enfant, c'est très gentil, on n'est pas content. Ouais, allez, on manifeste. C'est bien. Maintenant, il faut être sérieux. Voilà. Alors samedi, lundi, mardi, là, les vieux, là, sans arrêt en train de pleurer. Ah, Macron, il nous pique notre retraite. Ben, levez-vous le cul, arrêtez de regarder Fort Boyard le lundi. Et allez bloquer le port de Marseille. Rien que ça, c'est des milliards d'euros en une semaine qui disparaissent. Et je ne parle pas que des ports, je parle des raffineries. Il y a 15 points centrales en France, il n'y en a pas 50 millions. Il y a les raffineries de Feuzin autour de Lyon, les raffineries autour de Brest, autour de la Bretagne, Rennes, tout ça, là. Il y a les ports de Marseille, du Havre. Tout ça alimente l'Europe. Alors faites-le et arrêtez de faire des conneries, de bloquer les ronds-points. Voilà, faites passer mon message un petit peu de partout. Et que ça me dise, soit des millions. Ne serait-ce que 3 000 à 4 000 personnes sur le port de Marseille. Les condés vont être débordés. Il y en a 1 000 qui bloquent le port de Marseille. Les condés arrivent, les 1 000 rentrent chez eux. Les condés vont dégager, il y en a 1 000 autres qui reviennent. Et on bloque le trafic, on bloque tout. Dans une semaine, Macron, il va arrêter de rigoler comme il a fait hier aux informations avec les maires de France. Allez, faites passer le message, faites-le passer de partout.